Bonjour, je suis Stacey Lives Califa, je suis avec l'Expat View et aujourd'hui on a Chantal Duke qui travaille à l'International School d'Haïti et elle travaille dans la Visa Department. Elle va parler un peu de ses exploits en expatrié et qu'est-ce qu'elle a fait justement pour adapter à les situations quand elle avait suivi son épouse comme conjoint. Ok, bonjour, oui, j'ai donc vécu dans plusieurs pays, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Afrique surtout. Et j'accompagnais mon époux dans le secteur diplomatique et ce qui devenait difficile à l'époque, une fois qu'on était arrivé dans un nouveau pays, c'était des pays assez difficiles également, c'était de trouver quelque chose à faire. Une fois que les enfants étaient à l'école, une fois que nos affaires étaient arrivées, la maison était, on avait trouvé une maison et la maison avait été réglée, à ce moment-là, qu'est-ce que je pouvais faire? Et ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai trouvé qui était tellement pratique et vraiment extraordinaire, c'était d'avoir une passion, c'est-à-dire de trouver quelque chose qui soit un art et de le transporter avec moi. Donc j'ai transporté avec moi ces passions qui ont changé d'un pays à l'autre, bien entendu, mais qui m'ont fait non seulement découvrir le marché local artisanal, mais aussi m'a permis d'avoir des amis, de créer des amitiés qui étaient absolument extraordinaires dans différents pays. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? Alors, par exemple, quand nous étions au Nicaragua, j'ai appris à faire du tissage, que j'ai transporté avec moi, que j'ai apporté avec moi au Chili, qui était très connu d'ailleurs pour son travail de la laine. J'ai rencontré des artistes qui étaient absolument extraordinaires, où je faisais je prenais des classes de tissage qui étaient assez abstractes du point de vue du travail et de la technique. Et ça m'a permis aussi de découvrir un groupe qui était très intéressé dans la cuisine, et j'ai commencé à donner des cours de cuisine une fois que mon espagnol était assez bon. Donc je donnais en Chili des cours de cuisine en espagnol. J'ai transporté ceci en Éthiopie, mon amour de la cuisine, et j'ai fondé un groupe de gourmets qui m'a permis de rencontrer des gens de différentes nationalités. C'est un groupe qui a duré pendant 3 ans. Ça m'a permis aussi de connaître toute la communauté locale, ça m'a permis d'apprendre la cuisine authentique de différentes nationalités. C'était absolument extraordinaire. Et ensuite, cette passion-là m'a aussi transportée à faire de la peinture, parce que l'Éthiopie était très connue pour ses peintres, et une peinture qui est très spécifique et bien reconnue. Et ça m'a permis donc de travailler avec des artistes locaux, j'ai pris des leçons, et j'ai ensuite transporté ceci au Tchad, qui était notre prochain poste, et j'ai pu trouver du travail pour diriger un restaurant. Grâce à mon amour de la cuisine, le mot avait été passé que j'étais très intéressée, que j'étais bonne en cuisine, donc on m'a proposé ce poste-là dès que je suis arrivée. Donc j'ai pu travailler, j'ai également travaillé avec des artistes locaux qui faisaient de la peinture, comme on le voit ici, un peu le travail que j'ai ici. Ce sont des amis, ils sont devenus des amis avec qui je travaillais, des jeunes qui étaient qui sortaient de la rue et qui voulaient faire quelque chose qui leur apportait de l'argent. Donc je les ai introduits dans la communauté internationale. Donc j'ai été très très occupée pendant 2 ans au Tchad, et ensuite au Nigeria j'ai pris une autre passion. J'avais transporté avec moi la peinture, ça m'a beaucoup aidée pour connaître les artistes locaux. Et ensuite j'ai découvert les perles de troc, c'est-à-dire les perles anciennes qui étaient de commerce donc dans cette région-là, et j'ai fait des groupes où on se retrouvait et on faisait des colliers. Donc chaque fois que j'ai bougé, je suis allée dans un nouveau pays, j'ai porté avec moi quelque chose, j'appelle ça une passion qui est accessible. Dans mes valises, soit donc des pinceaux avec faire la peinture, ou des livres de recettes de cuisine, et j'ai toujours trouvé à faire et à me faire des amis absolument ou pratiquement immédiatement grâce à cela. Vous avez créé un groupe de soutien grâce à ce tout à fait. Que vous avez fait. Vous avez pris combien de temps dès que vous arrivez dans un nouveau pays de faire ça? Bien, je pense que ça prend au moins 2 ou 3 mois. Donc il y a une espèce de trou de 2 ou 3 mois qui peut être très difficile si on n'est pas préparé à cela.
Et effectivement, cette passion ou ces intérêts qui étaient soit artisanaux ou soit de travail ou soit d'écriture m'ont énormément aidé à me lancer immédiatement dans la culture locale, à trouver des gens qui seraient intéressés à partager cela avec moi. Et j'ai fait des amitiés qui durent encore maintenant après 25 ans, c'est-à-dire où on se rappelle de ces moments extraordinaires où on allait visiter, disons, des marchés locaux, travailler ensemble sur des bijoux, qui allaient, donc, où on faisait des ventes aux enchères pour des compagnies caritatives. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est ce que je recommanderais à tout le monde, c'est d'avoir quelque chose que l'on puisse porter avec soi, qui soit extraordinairement gratifiant, c'est-à-dire enrichissant également, et qui permette de connaître la culture locale pratiquement immédiatement. Ça, c'est des bons conseils pour notre audience. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ok, merci d'être avec nous aujourd'hui, Chantal. Et visite-nous sur YouTube et aussi sur notre website www.expatview.com. Merci.